je m'appelle Yannick Sourisseau, je suis le président de l'association Cancer Ozon. Alors Cancer Ozon, c'est une association qui apporte un soutien aux hommes touchés par un cancer masculin, plus particulièrement cancer de la prostate et des testicules. Nous avons l'habitude avec cette association d'organiser des sorties marche nordique pour maintenir notre condition physique, ça fait partie de notre thérapie. Mais confinement oblige, nous sommes obligés de rester chez nous et donc nous avons eu l'idée avec Cécile, notre enseignante en activité physique adaptée, de construire des séances de renforcement musculaire afin de ne pas perdre notre capacité physique via le réseau internet. Donc nous utilisons une application de visioconférence qui nous permet de se connecter à une heure précise et de travailler en groupe comme si nous étions dans la même salle. Et donc Cécile nous guide, nous présente les mouvements et peut ainsi voir comment chacun les exécute et les corriger directement. Écoutez, la séance démarre, je vous emmène. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va Antoine? Oui, très bien, merci. On te fait pas peur? Ah non, ça va. Bon, super. On va la tenir les épaules. On commence par faire des bruits avec la tête, puis aller tranquillement ce matin. Voilà, c'est important de souffler. Sur le net, mais ça va beaucoup trop vite. Du coup, il n'y a aucune pédagogie, il n'y a aucun temps de pause et il se crée au bout de 5 minutes. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant d'avoir un échange. Et c'est vague, quoi, tu vois. Et puis, d'avoir une comparaison de la première séance ou la précédente à celle qu'on est en train de vivre. Donc, en fait, ça rejoint un peu le cours en salle. Et là, ce qui est super, c'est de se voir et vraiment, on ne fait pas tout seul, quoi. Donc, c'est génial. Vraiment, pour moi, c'est super. Et en même temps, ça rythme aussi sur ma semaine. Il y a deux rendez-vous, là. En ce moment, c'est important, je trouve. Très bien. Et ça fait un repère aussi dans la semaine. Deux rendez-vous dans la semaine, c'est bien. Ça fait un repère et puis ça permet d'échanger un petit peu. Ça permet de maintenir la musculature à son plus haut niveau. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, hein. Rien que pour l'aménagement de chez moi. Mais je trouve que c'est convivial, effectivement. Et ça n'a rien à voir avec du direct où les gens doivent suivre le prof qui fait en ligne. Là, le fait de vous voir chacun à un, je sais que je peux corriger vos postures. Et c'est ce que je fais déjà en cours, hein, en séance. Mais là, je peux d'autant plus le faire parce que je vous vois bien un par un sur les petits écrans. Et effectivement, ça permet de donner un rythme aussi dans la journée. De se dire, bah, voilà, le mardi et le vendredi, j'ai mon cours de sport. Au moins, je peux voir du monde. En plus, je peux discuter. Ça sort un peu du confinement, quoi. Et surtout, ça vous permet de vous maintenir et de ne pas perdre tous les bénéfices que vous avez appris pendant cette dernière année.